Africarise. The 2012 Africarise Science Week and GRISP Africa Forum was held in Cotonou, Benin, from 1st to the 5th of October, 2012. Presentations and discussions focused on the Global Rice Science Partnership, GRISP, performance monitoring in 2012 and planning for 2013. The Science Week presented an overview of the GRISP for Africa Rice staff and partners and provided information on how its activities fit into the national, regional and international rice research and development agendas. I must confess that the crop of new and younger scientists at Africa Rice, they're doing very good science. I was not able to attend the sessions of the different themes, but I stayed for most of the 2 days in the genetic improvement aspects, and I must tell you, they're doing wonderful work from gene discovery, characterization, until the final delivery, release and delivery of material. And I must commend the presenters for that. I'm sure within the next few years, and with the partnership they have through these task forces, different countries within the African rice membership will be able to contribute, and thus a NAS will be able to share its technology with another NAS. Africa Rice will be able to share its technology with NAS. And so you build up that sense of ownership, which is one of the uniqueness of Africa Rice. Par rapport à ça, je pense que on doit travailler sur l'aspect génétique, faire de l'architecture des plants et aussi de leur mode de croissance pour essayer d'identifier, comme on le fait pour les autres stress, des plants qui, par rapport à leur architecture, à leur croissance, permettent de résister aux mauvaises herbes. Le deuxième aspect, c'est un peu comment promouvoir globalement la riziculture, en quelque sorte comment assurer le décollage par rapport aux contraintes qui ont été observées. Je pense qu'il y a eu des projets pilotes, il y a maintenant des initiatives qui ont été soulevées, des plateformes. Je pense que ces différentes stratégies doivent être que le niveau le plus reculé puisse avoir connaissance de ces stratégies et pouvoir les approprier. Moi, personnellement, j'ai essayé de tester depuis 2 ans avec les nouvelles variétés où j'ai des rendements plus élevés que les autres par rapport au riz aromatisé, parce que j'essaye d'associer un peu un engrais maraîcher que la SOCAS qui distribue cet engrais-là, où c'est du 9-23-30. Quand je mets 9-23-30 au début et à l'initiation paniculaire, je vois que les rendements sont beaucoup plus élevés que si je mettais que du DAP et de l'azote uniquement. Parce que je fractionne mes doses depuis plus de 3 ans, parce que comme je travaille avec les chercheurs, donc je viens toujours chercher leurs suggestions. Et je fais comme quand on élève un mouton. Il faut donner la dose régulièrement, sinon si vous mettez beaucoup, l'animal gaspille, plutôt que de manger. Et j'aurais voulu vraiment qu'on puisse mettre sur les études, en tout cas, l'utilité de la potasse par rapport au rendement et à la formation du grain. Je vous remercie. Genetic improvement alone will not be able to provide all the plant protection needed in rice, and this is quite obvious. So maybe, I don't know if this is possible within the GRISP, but still to refine maybe the way, the impact pathway for IPM. 3 weeks ago, we had also another project, you know, with the Economic Commission for Africa, where RTA is supposed to work on maize policies, maize value chains, in collaboration with Africa Rice on rice. So I think there is a lot of potential collaboration, and we are really interested, you know, in integrating different parts to make sure that our value chains works very well. On a démontré que la monoculture du riz au Mali est plus rentable qu'au Bénin. Moi, je pense que je pose le problème d'une autre manière. Il faut qu'on nous dise quel type d'agriculture, de riziculture, l'on veut parler. C'est en fonction du type d'agriculture que la rentabilité se fait remarquer. Si c'est la riziculture de bas-fonds, on le sait très bien, ou bien si c'est l'agriculture irriguée. Dans la présentation qui a été faite,
il a été souligné l'aide africaine à l'Ouest, au Libéria et puis à la Sierra Leone. Je viens de la Côte d'Ivoire, c'est, je ne dirais pas un truc que, mais je voulais soulager. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit aussi mentionnée dans, le diapo, dans la diapo que nous avons vue. Parce que nous attendons beaucoup d'Africa Rice pour mettre en œuvre le droit français en Côte d'Ivoire. I have seen the development, the growth, the maturity of this institution. And I'm very happy to know that it has transformed itself from a sort of commodity type or issue, single item type, to a holistic approach of the rice value chain. First, of course, I want to learn what's happening in Africa and getting myself updated with the research that Africa Rice and its partners are doing. And secondly, of course, I was trying to see how does that fit into the global picture and the partnership of GRISP. So on the first point, what I learned from Africa Rice and the partners that is doing, I couldn't agree more with the observation of Mr. Dixon here. I'm very much impressed by the quality of the science that I have seen and how the development of products is grounded in science. Also, I found a really well-filled pipeline where science leads to discovery, leads to inventions, leads to innovations, and leads to bringing to market through various partnerships. And I was also impressed by the flow of theme 1, 2, and 6, indeed, in that whole topic of variety development. When new genes are being discovered, they're put into new varieties, and the varieties through the seed distribution systems are really rolled out to benefit the farmers and eventually the consumers. 80% of the milestones often are already achieved, and we are not yet at the end of the year. So I think we're doing quite well. I have also seen that some of the milestones seem to be too global. Some may be redundant. In some cases we added milestones. That's all perfect as long as we document that properly. That's what the boss wants. He wants, if there are changes, we should document and have good arguments for that. I think all these debates show indeed that GRISP is working and that we are really working in a product mode. We no longer think, I hope, in terms of projects. Projects for me are just fuel. They're the fuel. Products allow us to work towards what we want to achieve. We want to achieve those products and we want to implement the strategic plan. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Cela veut dire que nous devons oser. Ici en Afrique. Nous dire que tout est possible et que si nous osons, les choses vont être faciles. Et que si nous n'osons pas, les choses vont être compliquées. En tout cas, Africa Rice invite tous ses partenaires à ce que dans un élan de solidarité, dans un élan d'engagement, de détermination et de volonté sans faille, que nous allions ensemble à l'assaut des grands problèmes de la riziculture, pour les régler définitivement au grand bonheur de tous les résultats. En tout cas, moi, je suis, comme disait l'autre, sans fou la mort. Sans fou la mort, ça veut dire quoi? Il faut foncer, foncer et foncer jusqu'à avoir gain de cause. Et c'est là où on aura les grandes victoires. Il n'y a rien de grand sans audace. Soyons audacieux et construisons le continent africain qui a des potentialités immenses. C'est sur cette note d'espoir. Quelqu'un l'a dit. Il faut que la recherche puisse être également menée dans le cadre, dans ce cadre nouveau des chaînes de valeur. Et c'est nos partenaires qui nous le disent et qui nous encouragent. Cette approche chaîne de valeur est désormais ancrée. On sait que nous avons affaire avec des populations qui sont quelquefois extrêmement pauvres, mais nous savons également qu'il faut les sortir du cercle vicieux de la pauvreté en n'oubliant pas le marché. Il ne faut pas croire que le marché est fait pour certains et qu'il n'est pas fait pour d'autres. Je crois que même les plus pauvres, quand on les aide à être connectés au marché,
on brise ce cercle vicieux pour les sortir d'une situation de subsistance vers vraiment des perspectives de développement. Cette réunion a été très positive pour nous, nous CIRAD, puisqu'on a pu voir et discuter avec tous les partenaires qui travaillent au niveau du GRIS, qui travaillent en Afrique, et notamment les relations avec l'IRD, avec l'ENARS, avec Africa Rice, mais également des activités qui ont pu être menées en relation avec l'IRI et avec le CIRAD. Il y a un certain nombre d'exemples concrets que je peux dire, notamment tout ce qui concerne la pathologie, mais je vais surtout parler de ce qui me concerne moi. Donc c'est un projet qui porte sur le phénotypage pour la résistance à la sécheresse, où on a pu voir cette mise en place de ce phénotypage a été très bien perçue par les différents partenaires, et ce travail qui a été fait en Afrique va être reproduit au CIAT et à l'IRI. Donc pour cela, c'est très positif. Dans le contexte de ces forums régionaux, nous pouvons aussi faire des workshops pour développer des idées, créer de nouveaux programmes de collaboration, les différents membres et les systèmes nationaux. Et en particulier, je suis ici pour donc faire le bilan d'un premier projet qui est soutenu par la GRISP et qui associe donc l'Africa Rice, l'IRD, le CIRAD et la GIRCA. Et ce programme est ciblé sur l'espèce africaine de riz cultivée, Glaberima, pour essayer de mieux analyser la diversité génétique des accessions. About GRISP, we are carrying out a subject on rice blast and phosphate use efficiency with Africa rice. So, and in addition, as we introduced yesterday's and today's Africa Rice GIRCAS meeting, GIRCAS is carrying out research in the field of agronomy and water resource engineering in Africa. I hope we'll have new collaboration in this research area. Me being stationed in Japan, how would I be able to manage a good research project in Africa? GRISP and my partner here, that being the project leader, I can actually allocate some funds to him. We can really truly work together now. For more information, visit www.africarise.org.